Salut à tous, bienvenue sur motoverte.com. Nous sommes ici à Franca di Sicilia, en Sicile, pour venir tester la toute nouvelle Yamaha 450 WRF version 2012. Donc c'est une moto entièrement inédite que vous pouvez découvrir ce mois-ci dans Motoverte, avec tout le détail technique de la conception de cette moto. Là, on vous a offert quelques images d'action pour voir un peu cette machine évoluer. Donc comment vous allez pouvoir le lire et comment on va pouvoir vous l'expliquer. C'est une machine entièrement nouvelle dans sa conception, inédite. Le cadre, lui, est plutôt d'inspiration de la 250YZF. Tout l'ensemble, la cinétique du bras oscillant et de la suspension arrière a été entièrement revue. Le moteur, lui, n'est pas celui de l'YZF, le moteur avec la culasse inversée, qu'on a pu voir sur le modèle Cross de 2011. Celui-ci est une nouvelle version de l'ancien bloc, quand même largement remanié, dans le sens où on retrouve une injection maintenant, électronique, un ensemble collecteur et échappement entièrement inédit. Cette machine en action offre énormément de souplesse. On a été vraiment surpris par l'onctuosité de ce moteur. C'est un moteur qui vraiment se destine à tous les niveaux d'utilisation. On peut se faire plaisir. La présence de l'injection à ce niveau est vraiment parfaite. Les ingénieurs japonais ont vraiment réussi leur coup. L'autre point fort de cette moto qu'on a pu immédiatement remarquer, c'est sa maniabilité. C'est une moto typée assez courte. On l'a dit, le châssis est inspiré de la 250YZF. Donc on n'a pas l'impression d'être sur une 450. Si on veut faire une comparaison avec le précédent modèle, on a beaucoup une maniabilité largement accrue, une facilité d'utilisation, notamment un avant beaucoup plus léger. Alors ce qui rend la moto beaucoup plus facile à faire pivoter dans les chemins un peu sinueux, dans les rochers. L'autre surprise très agréable, c'est dans les parties plus rapides et plus défoncées, une stabilité vraiment convaincante. Donc une moto... Si on devait résumer un peu la philosophie de cette nouvelle Yam 450WRF, c'est une moto facile d'utilisation, facile à prendre en main, avec des performances de premier ordre. On a aimé la motricité que procure la nouvelle suspension arrière. Le comportement de la fourche à l'avant n'appelle aucune critique. On rappelle que c'est les nouveaux éléments séparés air-huile. Donc vraiment une machine facile à utiliser, agréable. On a été très convaincus. Maintenant, j'espère que vous pouvez l'essayer. Vous allez pouvoir retrouver dans le Motoverte qui est actuellement en kiosque tous les détails techniques sur la conception de cette moto et le compte-rendu de cet essai. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir sur cette moto sympa et vraiment très fun à piloter. À très bientôt sur Motoverte. Ciao !